L'équipe de Pulseo a participé le 14 juin dernier à Nantes à la deuxième édition de Média 2030, une journée d'échange, de discussion et de réflexion sur la vidéo en général et sur les web TV en particulier. L'idée de cette journée Média 2030, c'est une deuxième édition. L'idée simple, c'est de mettre en dialogue et en démarche prospective sur le territoire des acteurs des médias, mais pas seulement que des professionnels, mais les mettre en situation d'échange avec des universitaires, avec des collectivités, avec des amateurs qui ont des questions à se poser sur la question du numérique, sur les évolutions des médias, et que cette question concerne tout le monde au final. Et donc c'est un espace de dialogue, je dirais, de concertation citoyenne, mais un peu plus que ça, c'est aussi une démarche qui permet aussi d'imaginer le territoire de demain. Oui, je pense clairement qu'il y a une attente, notamment des collectivités, des éditeurs aussi qui ne sont pas forcément sûrs sur leur modèle économique, des associatifs qui aussi se comparent aux autres acteurs journalistiques ou collectivités. Et je pense qu'il y avait matière à faire cette journée. Ouais. Moi, ce que je crois, c'est que le modèle de la valorisation, disons, par l'audience, par la publicité, par le marketing, de l'image qui maintenant prolifère, que l'on trouve absolument partout, tout le monde devient producteur d'images, plus ou moins, et qui est une image qui change de fonction, qui est une image d'abord qu'on pratique, y compris sur le téléphone maintenant, on commence à faire de la visiophonie, qui est une image que l'on pratique dans les laboratoires de recherche, de plus en plus les chercheurs produisent des images. À tous les niveaux, on produit de l'image. On produit de l'image. Je pense que l'image est en train de changer radicalement de statut dans la société contemporaine. En fait, l'image devient un vecteur d'échange, pas simplement pour faire de l'advertising ou de l'entertainment ou de l'information, mais pour travailler. L'image devient un instrument de travail. Moi, par exemple, j'utilise Skype maintenant énormément dans mon travail et de plus en plus d'entreprises utilisent Skype. Et pour les passionnés, rendez-vous sur le site internet www.media2030.org pour retrouver l'intégralité des débats de Média 2030.